Il a participé à un combat de championnat du monde en 2008. A World Championship Challenger in 2008. Please welcome from New Haven, Connecticut, USA, the Wrath of God, Elvin Ayala. Son adversaire, dans le coin bleu, porte sa traditionnelle culotte Bourgogne et or et pèse 159 livres 15 onces. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner, wears his traditional burgundy trunks with gold trim. His official weight, 159.15 pounds. Invaincu en 22 combats, 22 victoires, 21 par KO. He is undefeated in 22 professional bouts with a perfect 22 victories. 21 coming by way of knockout de Montréal. L'actuel champion canadien des poids moyens et champion WBC Intercontinental Junior. He is the current Canadian and WBC Intercontinental Junior Middleweight Champion, David Gentlemen, you got your instruction in the dressing room. You obey commands at all time. You protect yourself at all time. Fetch up. Good luck. Ben, on est prêt, Bernard, et ça a été tout un accueil que la foule présente ici au Stade Olympique a réservé à David Lemieux et aussi à Elvin Ayala qui s'est amusé avec ça. Quel beau spectacle. Wow. Quelle belle entrée. Et là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ouais. Et Ayala, c'est le plus gros défi de David Lemieux en carrière. Et on voit l'affiche des deux boxeurs au niveau de leur poids et de leur grandeur. Là-dessus, bon combat, mesdames, messieurs. 12 rounds de boxe chez les moyens. Elvin Ayala, culotte blanche et noire. Et David Lemieux avec sa fameuse culotte Bourgogne et or. Ayala, qui est le premier à porter des coups, donc veut se faire respecter dès le départ par le jeune Lemieux. Le sortir de sa zone de confort et créer le doute dans son esprit. Quel accueil il a reçu, David Lemieux. Hein? Comme on le disait tantôt, il y a plein de gens qui l'ont jamais vu boxer, mais un gars de chez nous avec autant de succès. Des bons coups de la part de Lemieux et c'est pour ça que les gens l'aiment. Il y a de plus en plus de partisans. David Lemieux, il a atteint une main droite solide au menton. Et Ayala s'est retrouvé sur les talons, Bernard. Oh, que Ayala a un bon menton. Il a été atteint par un coup puissant. Ayala a été surpris. Il s'est retrouvé dans le trouble rapidement sur les talons. Est-ce que David pourra en profiter? Des bons coups. La gauche, la droite. L'impression qu'Ayala trouve que ça va vite, Bernard. Et Lemieux qui, lui, transfère son poids solidement, c'est bien parti de son côté. Si Ayala voulait ça, ne savait pas à quel point Lemieux est puissant, là, au moment où on se parle, il le sait. Quel début de combat! Oh, les bons coups, Ayala est mêlé! Ayala a été frappé solidement. Les câbles l'ont empêché de tomber. Donc, Gary Bolin lui donne un compte de 10. Un compte de 8 debout. Un compte de 8 debout. Est-ce qu'il a réussi à reprendre ses sens? Et là, David va retourner à l'attaque. Oh! Encore une fois, la gauche et la droite. Oh, que ça frappe dur. Ayala a été branlé encore. Réussi à toucher David Lemieux. Lemieux a été précis. Au-delà d'être puissant, il a été précis aussi depuis le début. Et Ayala est créatif maintenant. Il est créatif. Il est dans les câbles. Les coups qui frappent dur. Il est mêlé encore et David Lemieux le frappe. Belle combinaison gauche-droite. Oh! Ayala est au ralenti. Il est au ralenti. Et Lemieux a sa chance de s'en débarrasser. Encore 45 secondes au premier round. Ayala est au ralenti. Il est tombé. Est-ce que c'est terminé? Oh, que Ayala est mélangé, que c'est là. Dur pour lui. Oh, que là, c'est difficile. Deuxième coup. Il ne sera pas capable de se relever, Bernard. Regarde bien. Oh, que c'est difficile. Il ne pourra pas se relever. Oh, il se relève au compte de 8. Et là, Jerry Bolin lui et parle. Et là, au prochain compte, c'est terminé. Prochain compte, c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. Quelle victoire impressionnante de David Lemieux. Ayala.
et comme un spaghetti au tapis. Wow! Quelle incroyable performance! Si des gens doutaient encore de la puissance de Lemieux, oubliez ça! Arthur Abraham, ça lui a pris 12 rounds pour se débarrasser d'Ayala. Lemieux s'en débarrasse 3 fois au tapis au premier round. Aïe, 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 quelle performance de David Lemieux! Et Ayala est ébranlé, n'est pas capable de se relever par lui-même. Beaucoup de gens autour de lui. Ayala a vu les étoiles de la boxe. Bernard, comme à peu près tout le monde, on est surpris de ce qui vient de se passer. Ah, quel début de David Lemieux sur le réseau ESPN. On va l'aimer, ce jeune-là. Certainement que les Américains ont les yeux ronds actuellement. Écoute, ils viennent réveiller les Américains en leur disant, écoutez, voici, mon nom est David Lemieux. Je frappe dur et regardez ce que ça donne quand je me choque. Wow! Ce jeune-là se promène avec des roches dans les gants depuis le début de sa carrière. Et ses coups puissants ne pardonnent pas. Ouais. Et ce qu'il faut remarquer aussi, Benoît, c'est la précision de ses coups. David Lemieux vise la cible. Et quand il visait au menton, il touchait le menton. Quand il visait par la suite au corps, il touchait au corps et on regarde. Bien préparé avec son jab, double jab, crochet au menton. Ah, que c'était bien fait. La main droite qui a suivi. Et Ayala, lui, ses jambes n'étaient pas capables de supporter. Ouais. Donc, les câbles l'ont empêché de tomber. Premier compte. Par la suite, David Lemieux qui revient à la charge encore une fois. Ah, la main droite. Et encore là, Ayala est dans les câbles. Il ne sait plus comment se protéger. Et Lemieux, lui, ne veut pas le laisser échapper. Donc, paf, un petit uppercut. De toute façon, Ayala n'était plus là. Pendant ce temps-là, Rosenberg, dans le coin, il faisait signe. Prends ton temps, ça va bien, ça va bien. Et là, il va l'achever et ça va se terminer de cette façon. Victoire de David Lemieux, éclatante, surprenante au premier round. On s'attendait à mieux de Elvin Ayala. Et j'ai l'impression que lui aussi ne s'attendait pas à ce que ça frappe aussi dur que ça et aussi rapidement. David Lemieux avait détruit, tu t'en rappelles, Donnie McCreary en l'envoyant au tapis. McCreary était considéré comme un dur aux États-Unis. Il l'avait knocké au premier round. Et là, il passe la même médecine à Ayala. Imagine-toi le message qu'il envoie un peu partout au niveau international. Il y a un jeune qui a de la dynamite dans les points Montréal. Écoute, il frappe fort, on le savait, on l'avait vu à quelques occasions, mais là, ce qu'il vient de nous démontrer, c'est encore plus spectaculaire. Quelle incroyable sortie! De David Lemieux qui a l'air très, très calme. Allons à Christian Gauthier. KO à 2 minutes 44 secondes du premier round. Et nouveau champion WBC international des poids moyens. Ladies and gentlemen, the winner of this battle by knockout, 22-23, at 2 minutes and 44 seconds of the first round. And new WBC international middleweight champion, David Lemieux.